suis né peintre, je crois. Voilà, je... À un moment donné, je pense qu'on est là pour faire un truc en particulier sur la planète, et moi, c'est la peinture. Il y a un aller-retour permanent entre une idée prédestinée que tu peux avoir de ce que tu as envie de réaliser et ce que va t'imposer en fait les quelques premiers tracés que tu as à poser sur la toile ou sur la feuille de papier. Et en fait, il y a un ping-pong entre ce que toi tu as envie de faire et ce que la peinture t'impose de faire et qui positionne dans une humilité permanente. Ça, c'est quand Sarah était enceinte de Balthazar. C'était quoi ça? Bah oui, le trappeur. Les portraits sont devenus tellement déstructurés que... En fait, à un moment donné, il n'y avait plus de forme, quoi. Là, on était quasiment dans de l'impressionnisme, en fait. À force de déstructurer, à force de privilégier la couleur, je me souviens que j'ai fait complètement passer au second plan le portrait, quoi, la figure, et que j'ai finalement déstructuré jusqu'au point d'aller trop loin. Je suis jusqu'au néant, finalement. Ouais, c'est ça, le néant du portrait. Et là, je me suis dit, ok mon gars, tu vas t'arrêter. Et tu vas basculer dans quelque chose de plus... Tu vas reconstruire, mais de plus pénétrable, quoi. En fait, le floral, en fait, ça me permettait d'aller glisser voilà, à l'intérieur de la forme, ce qui n'était plus le cas du portrait, quoi.
d'abord, j'aborde les choses avec une forme de classicisme, d'élégance, de recherche toujours plus fine et toujours plus fidèle au sujet. Et puis, petit à petit, je le remets en question, donc je le triture, je le déconstruis, je le meurtris. Donc ça passe par une gestualité beaucoup plus libre, beaucoup moins fine, beaucoup plus sauvage. Ça passe par un zoom très fort sur le bouquet, avec une sortie de toutes parts du format. Et ça passe par une pratique de la peinture qui n'est pas forcément sur chevalet, pas forcément verticale, mais qui va être au sol, qui va être pas forcément avec des pinceaux, mais avec des chiffons, avec les mains, les doigts, avec la paume de la main, avec le bras parfois. Ça passe par des états, en fait, de violence ou de colère, en opposition justement à d'autres moments beaucoup plus fragiles, beaucoup plus précieux, beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereins, beaucoup plus méditatifs. Pour moi, le blanc du tableau, qui est le blanc de la réserve, le blanc de la toile, le blanc primordial, le blanc d'avant, en fait, c'est la source de la lumière. C'est vraiment une lumière. Alors, est-ce que c'est une lumière divine ou est-ce que c'est une lumière principielle? En tous les cas, c'est vraiment une source d'inspiration, une source de souffle. Dans toutes les séries, et encore plus dans la dernière série, qui est donc le Corpus Botanica, le blanc vient comme une respiration franche, comme une zone encore immaculée, incréée, un espace de liberté. Et ce blanc est comme une fenêtre vers un ailleurs, un inspire, quoi. Stéphane Guérin qui m'avait commandé cette approche de la peinture pour une pièce de théâtre du même nom, Kalachnikov. J'ai fait tous les dessins. Je fais beaucoup de peinture. Stéphane et moi, on a une vision du monde extérieur assez sombre, assez sinistre, et que lui par l'écriture et moi par la peinture, nous développons une façon de s'extraire de cette violence et de cet aspect sinistre de la société. Là, je me reconnais aussi dans la peinture. Bah oui, je te reconnais. Bah, c'est pas mal, ça. Je pense que ça va te plaire. Ouh là là, qu'est-ce que c'est magnifique! Va exprimer des choses qui ça sort des tripes. Des tripes. Exactement. Voilà, c'est juste magnifique. J'adore tes tableaux parce que ça me donne quand même l'envie de les embrasser, de les toucher. Parce que je rentre dans le tableau même, si je le touche, je regarde, je vois les détails, les sourcils, l'ombre sous le nez. Je sais pas, c'est vraiment, ça me rentre.
Ta peinture, ça me rentre dans le cœur, c'est incroyable, vraiment. Tes portraits, c'est l'évolution de la Renaissance, parce que derrière et devant ton portrait, il y a une histoire, il y a toute une histoire. C'est beaucoup plus qu'un portrait, je trouve, tes tableaux. Aujourd'hui, ça s'appelle un selfie. Oui, ouais, tout à fait, voilà. Exactement. À l'époque, c'était un portrait, c'était la photographie de ce moment-là. Et là, tu arrives à faire la même chose pour moi. Bah, ça me revient à l'esprit le premier portrait qu'on a vu. C'était lequel déjà, le premier tableau que vous aviez acheté? C'était la femme Déméter. Déméter, tout à fait. Ouais. Vous a claqué tout de suite celui-là. Ça m'a complètement flashé, ouais. Et puis il y avait tout le monde qui regardait, et puis nous on s'est regardé, on a dit ok. Ben, je me souviens, dans la galerie à Lugano. Et, oui, tout à fait. Et vous étiez dos à moi, et le galeriste m'a dit tiens, retourne-toi. Et toi, Michele, tu m'as fait ce tableau-là, c'est à moi. La question du portrait affublé d'accessoires, c'était pour le modèle une façon de à la fois montrer son meilleur profil et à la fois de jouer la carte de l'autodérision et de se prêter à ce genre de l'autodérision. Et c'était une allégorie aussi pour parler des choix que l'on fait, des choix sociaux que l'on fait quand on va choisir une bague, une montre, un foulard, un accessoire qui nous positionne en fait dans une caste sociale quelque part. L'autoportrait est une constante dans l'histoire de la peinture. Je pense que c'est une façon de se voir, c'est un miroir. C'est un miroir, mais le principe même de la peinture est un miroir. C'est-à-dire que quand l'on voit la trace que l'on produit, au moment même où on la produit, c'est déjà un miroir de l'état dans lequel on est. L'autoportrait est une façon assez littérale de se refléter, en fait, de se prouver sa propre existence. C'est une façon de marquer l'histoire.